qu'ici, il y a 125 projets. Je te dirais qu'à la grandeur de la province, c'est au moins 3 000 étudiants, peut-être plus même. C'est énorme. Toutes les écoles ont l'opportunité de faire une exposition locale. Québec à chaque année. Quel est mon intérêt pour la science? C'est un intérêt qui est très grand, qui ne date pas d'hier. Moi, j'ai toujours eu une curiosité pour comprendre les choses, en fait. C'est ce qui m'a attiré vers la science, parce que la science explique comment les choses fonctionnent, finalement. Donc, quand j'étais petit, j'essayais de comprendre comment le grippin fonctionnait, pourquoi il pleuvait, pourquoi le soleil bougeait dans le ciel. Et donc, la science m'a apporté des réponses avec tout ça. Donc, c'est depuis que j'ai 6-7 ans que je m'intéresse à la science. Ça ne date pas d'hier. C'est un plaisir. Il y avait d'autres questions? Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'être magicien? Le goût d'être magicien, je pense, ça a été le désir d'émerveiller les gens, le désir de leur apporter cette espèce d'émerveillement qu'on vit un peu au quotidien quand on a votre âge, mais qu'on perd un peu en vieillissant. Et donc la magie, moi, me sert à redonner une sensation aux gens, une sensation d'émerveillement, une sensation de... C'est ce que j'aime, susciter ces émotions-là chez les gens, c'est ce qui m'a attiré vers la magie. Moi, c'est Laila, puis on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et aujourd'hui, on parle dans le fond d'une plante qui est peu connue des gens. En fait, c'est le chanvre industriel. C'est pas beaucoup développé ici au Québec, mais ça aurait plusieurs vertus là, qui pourraient venir jouer au niveau de plusieurs industries, plusieurs domaines comme la nutrition, le textile, le cosmétique, même au niveau pétrolier et aussi pharmaceutique. Ça aurait vraiment un avenir prometteur. Ouais, merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour, mon nom est Samuel Perrault, je viens de l'école du Mistral, je suis présentement étudiant en 4e secondaire et j'ai extrait du lycopène pour mon projet d'exposcience. Donc, je m'appelle Erika Aymon, moi je viens de la polyvalente Marcel Landry à Saint-Jean, en fait à Iberville, dans le secteur de la Montérégie, et mon projet c'est quand l'air sert d'oreille, je traite de la sourdité et des différents types d'appareils aussi. Je m'appelle Emmanuelle Bessier, j'ai du pensionnat du Saint-Laurent-Marie à Montréal. Et mon projet traite. En fait, j'ai conçu une orthèse pour les gens qui sont du Saint-Laurent-Fribourg. Bonjour, je suis Sébastien Gracien et lui. Raphaël Super. Nous venons de l'école Nicolas Gatineau à Gatineau. Et on parle des cellules souches. Donc, on se demandait, nous, si les cellules souches étaient un remède à tout. Et notre exposition sans justement expliquer notre question. Moi, c'est Raphaël. Puis on vient de la Côte-Nord, puis on est à l'école Jean-Paul II. Puis nous, on a cherché à savoir si, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est possible d'empêcher les maladies génétiques de se transmettre. Bon, ben salut, moi, je suis Joshua Rodrigue. Et moi, Capitaine Major. Nous, notre projet, il est sur le Triops. Dans le fond, le Triops, c'est un crustacé qui a plus de 300 millions d'années, puis qui est encore avec nous aujourd'hui en 2016. Stéphane Lévesque, je suis en compagnie d'une équipe de journalistes élèves. Vous êtes de quelle école, vous autres? Vincent Lemire à Saint-François-du-Lac. La Riveraine, la commission scolaire de la Riveraine, en effet. Et là, on était en action aujourd'hui à la Super Expo Science. Comment vous avez trouvé ça, votre expérience d'être journaliste à la Super Expo Science? Bien. Pourquoi tu as trouvé ça bien? Bien, parce qu'on a rencontré des nouvelles personnes qui sont dans le comité ici. Hein. Plein d'affaires comme la nourriture, c'est pas comment. Pour voir l'électricité. Ben, moi, j'ai trouvé t'as ça. T'as appris fort. Sur beaucoup de choses. Oui. Puis toi, t'as fait une entrevue, entre autres, avec monsieur. Comment il s'appelle, non? Luc. Luc Langevin, qui est le porte-parole ici à la Super Expo Science. Comment t'as trouvé ça, ton interview? Ben, j'ai bien aimé ça. T'as aimé ça? Ouais. Puis toi, t'as-tu gêné de poser? J'étais gêné un petit peu. T'étais gêné, mais ça a bien été. Ouais. Ouais. Puis toi, t'as pris des photos, toi? Oui, ben, j'ai aimé ça prendre des photos parce que c'était pas mal la première fois que je prenais une caméra, là, comme okay. ça. Puis, c'est ça. Bon, ben, je vous félicite, la gang!